Et maintenant, le deuxième accessoire de Supercar. Alors, le deuxième, c'est le cœur. Pourquoi le cœur, ça signifie qu'on aime les gens. Alors, en gros, le cœur, à quoi ça sert? Bah, ça sert à représenter déjà bah, l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose de fondamental pour moi. Et puis, parfois, dans le cœur, il est blessé, il est insulté, et du coup, on a un petit peu qui se trouve, ça nous empêche d'aimer les autres. Et Dieu, il est là pour à chaque fois nous donner un cœur préparé. Et voilà, c'est pour ça qu'ensuite, on peut re-aimer les autres avec Dieu, grâce à qui on s'aime. Et nous avons pris un verset pour ça. Je peux. Et nous chantons un autre chant, mais les autres pourraient vous tourner parce que celui-là est un petit peu plus compliqué. Il s'appelle Descendre du ciel. On reste assis pour ce chant. On reste assis. Alors, le troisième,
c'était donc le miroir. Le miroir, ça me fait penser bon, à quand je me regarde. Quand je me regarde, bah, regardez, je me vois, puis je me trouve vraiment beau gosse. Parce que pourquoi? Parce que c'est Dieu qui m'a créé. Puis, ben voilà, Dieu, il me crée, puis ce miroir me fait penser vraiment à que bah, Dieu, pour lui, bah, je suis important. Et puis il veut que je brille devant les autres et que j'apporte ma lumière aux autres. On a même vu cette histoire du Saint-Père et du Son, où en fait, chacun est important et le miroir nous rappelle que l'âme la plus importante, si on peut parler d'âme, mais l'âme la plus importante que Dieu pourrait employer pour agir dans le monde, eh ben c'est celui qui se voit dans le miroir, c'est chacun et chacune. Et la vitamine, c'était que votre lumière. Ma petite lumière, on se lève. Ce que je fais, c'est que je prie, puis je demande pardon à Dieu.
Et après, bah, je sais plus, je vois un truc, puis après, il prend le chiffon, puis il commence à nettoyer, puis ça revient trop. Et après, bah, le but, c'est d'essayer de rester le moins sale possible, parce que c'est impossible de rester propre. Puis c'est pour ça que ce chiffon, je peux penser que Jésus, si je le pardonne, il va accepter. Enfin, si je le pardonne sincèrement, il va accepter. Et surtout, bien sûr, il y a pardon que Jésus nous donne, mais surtout, il y a pardon aussi qu'on donne aux autres. Ça va dans les deux sens. Mais l'idée, c'était que ces belles créatures qu'on est, qu'on puisse les garder les plus belles possibles pour qu'on puisse briller, faire briller ces lumières. Et l'idée, on a vu une jolie vidéo d'un footballeur qui s'appelle Yakiyapo. J. Yakiyapo du Xanax, qui justement avait une blessure et qui a fait briller sa lumière en offrant le pardon à celui qui l'avait. Il avait taclé, il avait fait très mal. Et puis, c'était marqué.